Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en train d'enchaîner les cultures dans mes carrés potagers, notamment un carré qui fait 1 mètre carré. Il y avait des épinards, hein, des cultures précoces. Et là, je vais enchaîner avec la culture de tomates. Alors, je me dis que c'est l'occasion de reprendre toutes les clés de fertilité. On va voir ensemble le sol, le terreau, les composts, comment bien les planter, comment bien les mener en hauteur, bien pailler le sol, bien les tuteurer, bien ombrager aussi la culture. Beaucoup de thématiques à voir, alors on traîne pas et en avant donc pour cette nouvelle vidéo. Alors ici, j'ai fait le choix de remplir mes carrés potagers avec de la terre végétale. Je trouve que c'est vraiment une solution géniale. Vous pouvez en trouver en jardinerie, en sac ou dans des sablières ou chez des professionnels de matériaux. Cette solution, elle a l'avantage d'être durable à vie, quoi. Vous achetez la terre et vous l'avez une fois pour toutes. C'est un ensemble de limon, de sable, d'argile, un peu de compost. Et c'est vraiment, c'est jardiner dans des conditions optimales. Quand, comme moi, vous avez un sol vraiment horrible, là, ça vous change la vie. Vous avez une terre meubles et c'est vraiment agréable. Vous pouvez faire bien sûr avec d'autres solutions, vous pouvez mettre tout simplement du terreau, simplement c'est un peu plus séchant et puis c'est moins durable, ça va avoir tendance à se volatiliser avec les années, à se minéraliser, alors que la terre, elle bouge pas. Et puis une dernière solution aussi pour remplir vos carrés, pour créer du sol, vous pouvez faire ce qu'on appelle en lasagne, vous mettez plusieurs couches. Ici je l'ai fait d'ailleurs dans un autre carré, j'avais commencé avec du bois au fond pour bien retenir l'humidité et puis j'avais enchaîné avec des couches de compost grossier, de terre, on peut mettre aussi du foin, de la paille, des tentes, des broyats et on finit sur la dernière couche avec une bonne épaisseur de terreau ou de terre pour pouvoir planter facilement et rapidement nos plants de tomates. Alors ici, cette saison, il faut vraiment que je réenrichisse ma terre parce que le carré potager, il a vu défiler des cultures, elle prélève des minéraux et il faut vraiment en réamener. Donc je vais faire ça avec du compost végétal. J'ai la chance d'en avoir gratuitement. J'amène une bonne demi-brouette et je le mélange sur les premiers centimètres pour vraiment bien lier le sol, la terre avec le compost et que les plantes de tomates se régalent là-dedans. Alors vous pouvez faire là aussi avec d'autres solutions si vous n'avez pas la logistique, l'énergie, pour trimballer des gros volumes, vous faites avec des engrais naturels, c'est plus concentré en minéraux et avec une seule poignée, vous allez nourrir 1 mètre carré de culture. Donc c'est une solution intéressante si vous n'avez pas de ressources à disponibilité. Et puis sinon, donc vous faites avec des composts, des paillages, des matières organiques plus ou moins grossières. Mais quoi qu'il en soit, pensez vraiment à bien nourrir votre culture parce que les tomates sont très gourmandes. C'est vraiment super important de bien choisir ces plants de tomates. Peut-être que vous allez les acheter en jardinerie et vous allez avoir 3 choix qui vont se présenter devant vous. Donc vous pouvez avoir des plants greffés. Ce sont des plants souvent les plus chers, 4, 5, 6 euros. Et l'avantage, c'est que vous avez souvent une production de dingue. Vous pouvez avoir le double de récolte par rapport aux autres solutions. Peut-être parfois au détriment du goût. Alors moi, j'en essaie 1 ou 2 ou 3 dans la saison. C'est vrai que ça assure une quantité. Mais sinon, je me tourne vers les autres solutions. Donc deuxième solution, ce sont des plants F1, ce sont des plants que vous ne pourrez pas reproduire à l'identique. Si vous prélevez vos graines en fin de saison, ce sont des variétés qu'on appelle non fixées, mais l'avantage aussi c'est qu'elles sont un peu plus productives, bien que ça se discute, elles sont un petit peu moins goûteuses, même si là aussi ça peut se discuter. Donc moi je me dirige souvent vers la troisième solution, ce sont des plants, des variétés non F1, je les fais même à partir du semis, je fais moi-même mes propres plants. J'ai un coup de cœur pour ces variétés non F1 qu'on appelle aussi variétés anciennes, paysannes, reproductibles. Vous pouvez vraiment les reproduire à l'identique et je vais chercher vraiment le goût. Moi ce que je veux c'est du goût au potager, tant pis si j'ai un peu moins de récolte, tant pis si les plants sont un peu plus fragiles, mais vraiment je vais à la quête du goût et là je vais planter 4 variétés non F1 de plants de tomates. Thank you.
On passe maintenant à la plantation avec ce geste essentiel de bien enterrer ses plants, de faire des trous bien profonds avec toujours cette tige de tomate qui a la capacité de générer des racines si elle est enterrée en partie sous terre. Donc on n'hésite pas à faire des trous bien profonds. Ici c'est la régalade parce qu'avec cette terre végétale bien meuble, mélangée de compost, c'est l'avantage de pouvoir vraiment bien creuser facilement, profondément. Donc j'en profite et je vous laisse les images pour bien planter ces plants de tomates. Alors concernant les distances de plantation, ici je me mets à environ 60 cm entre chaque plant. Ça me fait 4 plants sur ce carré potager. Vous pouvez essayer d'en mettre 6, simplement vous aurez un petit peu plus de concurrence racinaire, vous aurez plus de besoin en eau, surtout si vous laissez buissonner vos plants. Donc il faudra faire preuve de plus d'attention, plus d'arrosage, plus de richesse encore dans le sol. Et puis faire attention aussi quand même à ce que les plants soient bien oxygénés, surtout s'il y a une météo humide, c'est toujours important d'avoir une bonne oxygénation. Donc ici je m'y retrouve bien avec 4 plants par carré potager d'un mètre carré, mais si vous avez envie de tester plus densément, allez-y, c'est à vous de voir. Donc ici moi je me contente de 4 plants par mètre carré. Une fois les plants bien installés ou même avant de les planter, c'est toujours bien de mettre des tuteurs pour faire monter la culture. Alors ici je fais avec des cannes de Provence, on en trouve un peu partout dans la nature. Vous pouvez faire avec bien d'autres solutions, des bambous, des tiges de fer, des piquets en bois. Vous pouvez même faire avec des ficelles si vous avez une structure au-dessus. Je l'avais fait l'année dernière et ça avait très bien marché. Donc vous choisissez la solution selon ce que vous avez sous la main. Mais quoi qu'il en soit, pensez à installer des tuteurs au pied de chaque plant pour bien faire grimper la culture. Alors pour la suite, je vais devoir me servir des images des années précédentes parce que c'est pas encore d'actualité. Le plant de tomates, enfin les plants de tomates vont grandir, bien se développer et il va falloir à la fois les tuteurer et éventuellement les tailler. Donc pour les tuteurer, eh bien, il suffit d'attacher à son tuteur, que ce soit avec de la ficelle, du fil, du raffia, ce que vous avez sous la main. Et puis se pose la question de la taille. Il y a toutes les écoles, je pense que chacune a des raisons d'être. Donc soit vous ne taillez rien, vous allez avoir vraiment un énorme buisson, vous allez avoir plein de tiges secondaires qui vont se développer. Ce ne sera pas trop évident à tuteurer, il faudra faire le tour, essayer de ligoter comme on peut. Donc vous pouvez faire ainsi, ça demande quand même beaucoup d'eau, tellement il y a de feuilles, de branches, de tomates qui se développent. Donc je préfère moi tailler quand même en grande partie, ne laisser qu'une tige principale, enlever ce qu'on appelle les gourmands. Parfois je vais laisser un gourmand qui va se transformer en deuxième tige principale et j'ai donc un plant sur deux belles tiges, mais guère plus. Donc ça me permet d'avoir des cultures facilement tuteurées, bien en hauteur, des récoltes faciles, des tomates un peu plus grosses avec l'eau qui se concentre seulement sur quelques fruits et les minéraux aussi qui se concentrent sur quelques fruits. Donc à vous de voir, taille, pas taille, mais l'important je pense c'est d'être attentionné et de bien veiller à sa culture pour qu'elle se développe au mieux. J'ai un gourmand, là aussi, là j'en ai un qui commence à être bien développé, pareil je peux le faire à la main. Un point très important à mon sens, ça va être vraiment de bien pailler votre culture ou plutôt bien pailler votre sol, limiter l'évaporation, c'est vraiment tellement important d'avoir une bonne humidité, que l'activité biologique puisse bien travailler, et de pailler, on va vraiment préserver cette humidité. Donc ici, ce que je fais, eh bien, je vais me servir de tout ce que je récupère sur mon terrain. J'ai entassé à la fois des tontes, des feuilles, du broyat, des tailles de haies. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en plus de ramener du paillage, eh bien, on ramène de l'activité biologique qui parfois manque dans un carré potager. Regardez dans ce tas tous les décomposeurs qu'il y a, tous ces macro-organismes. Et ce que je fais, ben, j'embarque le paillage et j'embarque la vie qui va avec, cette vie qui va vraiment valoriser ce paillage, le décomposer petit à petit, en faire du compost et nourrir notre culture. Donc en avant, on ramène tout ce paillage au carré potager.
Et ce qui est bien avec ce paillage, c'est que comme il est diversifié de matière humide, de matière sèche, eh bien je peux en mettre une grosse épaisseur, hein. Il n'y a pas de risque à ce que ça s'étouffe, ça va être bien oxygéné à l'intérieur. Donc j'en mets bien 15-20 cm. Et chez vous, eh bien, essayez de faire pareil, hein, que ce soit avec du foin, avec de la paille, avec des tontes, mais dans ce cas-là, vraiment, vous les équilibrez avec des matières plus sèches, hein, sinon ça va vite putréfier, ça va manquer d'oxygène. Donc, important de mettre un paillage à la fois bien épais et bien oxygéné pour vraiment préserver l'humidité du sol et apporter petit à petit de la richesse à notre culture. Un dernier mot avec l'ombrage. C'est super important si vous êtes comme moi dans une région douce qui est trop chaude l'été, avec une luminosité trop importante, des rayons du soleil qui sont trop violents et la culture a vite trop chaud. La culture de tomates, au-dessus de 30 degrés, ça devient problématique, les fleurs vont sécher, la culture va être en difficulté, tout comme le jardinier d'ailleurs, qui se met vite à l'ombre sitôt qu'on dépasse 30 degrés. Donc j'hésite pas à mettre des filets d'ombrage, c'est vraiment intéressant, ça occulte à 50% la luminosité, ça baisse la température, c'est vraiment une chouette solution. Je vous mets une référence sous la vidéo si vous voulez plus de détails. Je mets aussi beaucoup de canis, ça c'est pareil, c'est super intéressant, ça occulte à peu près à 50% et ces solutions en plus ça laisse passer le vent, donc ça évite vraiment que tout s'envole, au contraire de draps, de voiles qui parfois ont tendance à s'envoler. Donc vraiment si vous êtes dans un contexte qui est rapidement trop chaud, qui plus est quand on est en carré potager, qui s'assèche, qui chauffe encore plus vite, vraiment n'hésitez pas à ombrager votre culture et vous verrez que vous aurez de meilleurs résultats encore. Avec toute cette attention qu'on va porter, il n'y a aucune raison pour ne pas récolter considérablement d'ici quelques semaines. Néanmoins, faites vraiment une priorité à l'eau. Les tomates, c'est 80% d'eau, vous devez le savoir, et l'eau, ça ne s'invente pas. Donc il va falloir vraiment la protéger, cette eau, c'est pour ça qu'on paille. Et puis si la météo n'est pas clémente, si ça manque de pluie, n'hésitez pas à arroser de temps à autre, surtout que dans un carré potager, ça sèche encore plus vite. Les plants, vraiment, transpirent énormément. Chaque branche de tomate, ça transpire, ça a besoin d'eau. On parle souvent d'un arrosoir au mètre carré, et la fréquence, ça dépendra vraiment de votre climat. Donc ça peut être tous les 2 jours, tous les 5 jours, tous les 10 jours parfois, il suffit de quelques journées un peu maussades, encore au mieux de quelques pluies, et les besoins vraiment s'écroulent drastiquement. Quoi qu'il en soit, c'est votre rôle de jardinier d'offrir cette clé prioritaire de fertilité qui est l'eau, et ça c'est là aussi une question d'attention. Voilà, merci pour votre attention, et puis bien sûr, on se retrouve très vite pour continuer de partager cette pleine saison. À bientôt, ciao.